l'épisode numéro 2 hein, de l'aventure suivie sur Batman Arkham City. J'espère que vous allez bien, pour moi c'est le cas. Toujours quand il s'agit de jouer à Batman, ça va toujours très bien. Je remarque que là je me suis tapé une mise à jour assez longue qui m'a donné la possibilité de pouvoir choisir mes skins apparemment sur le mode histoire, donc ça fait plaisir. Donc avec quoi je vais jouer? Je vais jouer avec Batman des années 70, je déteste. Bah le Batman Incorporated, je le trouve super classe. Moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Le R1 est magnifique aussi. Moi ce que j'aurais aimé, alors là on l'a eu dans Batman Arkham Knight, c'est le Batman de Tim Burton du film, je parle, qui est magnifique. Une armure noire, juste noire et un peu jaune quoi, mais elle est magnifique cette armure. Moi ce que je voudrais, mais je ne la trouve nulle part, ni dans Arkham Knight, ni dans Arkham City, c'est la première armure de la trilogie Nolan. L'armure que Batman a dans Batman Begins et au début de The Dark Knight, puisque au milieu du film Dark Knight, il demande à Lucius Fox de lui refaire une... Regardez, il est magnifique ce Batman Incorporated. Magnifique. Au milieu de The Dark Knight de Nolan, Batman demande à Lucius Fox de lui refaire une... comment on appelle ça? Une armure, tout simplement. Afin de se mouvoir plus facilement, de pouvoir... tordre la... comment dire, de pouvoir bouger son cou quoi, en très haut, hein. Tourner son cou, tourner la tête tout simplement. Je vais faire le petit entraînement, comme ça me permet de vous parler. Et cette nouvelle armure que lui confectionne Lucius Fox, bah, je la trouve moche. L'armure que vous avez dans Dark Knight et Dark Knight Rises, je la trouve moche, mais au plus haut point quoi. Je comprends pas qu'ils aient fait ça. Et celle de Batman Begins, bah malheureusement tu ne l'as pas. Dans Arkham Knight, t'as... merde, je me suis chié dessus. Non, c'est bon, ça passe. J'ai été un petit peu gourmand là, sur la chute. Faut que je recommence. Tac. Celle-là, je me rappelle, faut redresser vraiment au dernier moment parce que on te demande d'aller super loin après. Donc faut vraiment prendre de l'élan. Et voilà, je suis pas passé. Ouais, celle-là, elle est pas évidente parce qu'il faut passer dans un trou de souris là. Il faut avoir suffisamment d'altitude pour... je vais pas m'acharner, hein, je vais le faire 2-3 fois, si ça passe pas, ça passe pas. Pour l'Austral, c'est jamais 304, vous le connaissez. Ça passe. C'est bon, je l'ai eu. Je vais rentrer ici parce qu'il y a une mission secondaire qui m'attend avec Bane, qui va me demander de récupérer des trucs un peu partout dans la... de casser des trucs un peu partout dans la ville, donc vaut mieux la commencer très tôt, cette mission. Et on voit Oizito, sa peluche, son ours en peluche. Oizito, je sais pas comment on dit. Alors, t'es surpris de me voir, Batman? Un peu. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais plié sur le capot de ma voiture. Tu savais que ça me tuerait pas. Ce n'était pas mon but. Je ne suis pas d'humeur à me battre. Qu'est-ce que tu fabriques ici? La formule Titan du Dr. Young. Le clown est arrivé à en faire sortir de l'île d'Arkham avant que tu l'arrêtes. Combien le Joker a réussi à en faire sortir de l'île? Beaucoup trop. C'est pour ça que je suis ici. Je laisserai pas les pourritures de cette ville l'utiliser. Le Dr. Young m'a utilisé pour créer sa formule. C'est mon devoir de détruire ce qui reste. Je vais t'aider, mais soyons bien clairs. Si tu tentes quoi que ce soit, je t'écrabouille toi aussi. On trouve les conteneurs de Titan et on les détruit. D'accord? Bien sûr. Chaque conteneur est doté d'une balise radio intégrée. Il restait 12 conteneurs dans la ville. On en prend 6 chacun et on se retrouve ici. 6 chacun? D'accord. Aujourd'hui, c'est pas le bon jour pour me mentir, Bane. Ne l'oublie pas. Ah, je croyais que ça allait marquer que les batteries de ma manette étaient faibles. Ouais, il y a des trucs... Généralement, c'est dans ce que j'appelle moi les donjons. Les donjons, ce sont les zones visitables, les zones secondaires qui sont visitables. En plus de la map principale. Généralement c'est là-bas que ça se trouve. Je peux toujours pas apparemment... Bon, la petite biographie de Bane si vous le voulez. Je peux toujours pas scanner les mystères d'Enigma. Mais au moins celle-là elle est active et ça fait plaisir parce que je vais très vite en trouver de ces containers. Je crois qu'il y en a une de la Syrie de Sionis. Ok, qu'est-ce que je vais me mettre?
Ah oui, c'est RT, ok. Désarmement à la bas grip, je m'en contre-branle. Combo spécial nuée, ça c'est pas mal, ça j'aime bien. Alors, Austral, c'est pas très. Toi qui as l'habitude de jouer très RP sur ta chaîne, pourquoi est-ce que tu changes de costume comme ça en plein milieu, en pleine paix? Ah bah, je change de costume en pleine paix parce que bah, on est là pour s'amuser. Et puis moi, j'aime bien Batman, donc je vais jouer avec un peu tous les costumes. Voilà. C'est là que ça casse le RP pour le coup. Genre, Batman, il a. Le mec, dans la nuit, il change 15 fois, tu sais. Je sais pas comment il fait, mais en tout cas, lui, il arrive à le faire. Il se pose pas trop de questions. Comment je fais là déjà pour débloquer ça? Faut que je ne touche pas une seule fois. Ouais, je crois que j'ai compris. En fait, faut juste pas toucher une seule fois autre chose qu'une plaque, en fait. Donc là, tu fais ça. Après. Là, tant que je touche pas autre chose, ça c'est valide. Donc celle-là, elle est déjà allumée, donc elle est valide. J'espère que je suis bien dessus. Ça passe. Je suis dégoûté de ma vie parce que ce connard, bah, il a pas fait ce que je voulais. Ça fait chier. On recommence. D'accord, ça commence bien. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Faut que je la prenne peut-être. C'est peut-être pas une bonne idée. Si, ici. Là, il n'y a pas de risque normalement. Non mais voilà, mais putain, mais en fait, non mais en fait, j'ai l'habitude d'Arkham Knight et dans Arkham Knight, il est beaucoup plus propulsé le Batman. Hein. Là, c'est ridicule par rapport à Arkham Knight. Arkham Knight, mais laisse tomber, tu t'envoles quoi. D'ailleurs, tu t'envoles tellement haut que il y a eu des modeurs sur PC qui se sont amusés à faire le skin de Clark Kent, enfin de Clark Kent. En fait, ils ont pris le skin de Jack Ryder que vous apercevez dans Arkham Knight. Vous avez Jack Ryder et Jack Ryder, bah c'est un brin à lunettes. Hein. Et je tombe à côté. Putain, vas-y. Là, si tout se passe bien, je vais me retaper le mur. Non, c'est bon. Ah, mais il est allumé quand même. Là, ça poule dessus, impeccable. Et puis, si je le prends là dans l'angle, normalement, il n'y a pas de truc derrière qui va. Eh bah, si. Non, mais vas-y, je vais péter un câble. Austral, tu nous fais chier, fais l'émission. Je m'amuse, au bout d'un moment, si ça vous plaît pas, bah ça vous plaît pas, que celui que je vous dis. Là c'est juste là, je sais comment on le débloque, donc je vois pas pourquoi je me priverais. C'est juste qu'il faut que j'arrive à trouver un bon angle hein, pour mettre mon grappin, parce qu'à chaque fois je me fais baiser la gueule. Ouais, comme je vous disais, dans Arkham Knight, attention on va pas faire la connerie par exemple. Dans Arkham Knight tu t'envoles tellement haut qu'il y a sur PC, les mecs ils ont fait un mode Clark Kent. Et ils ont pris le skin de Jack Ryder, parce que c'est vrai que Jack Ryder il a un peu des airs de Clark Kent. Bah il est brin avec des lunettes quelque part, donc c'est un journaliste donc ça joue. Et en fait tu te balades avec ton Jack Ryder, avec bien évidemment les pouvoirs de Batman, j'ai failli faire le zing, mais ça passe. Par contre, faut que je reprenne à tout prix de l'altitude là. Non. Je dois lancer le grappin plus loin pour que le boost fonctionne. Je suis dépité de ma vie parce que je fais de la merde. D'accord, super. Faut que là, la cheminée, c'est le mieux. Bah putain, c'est laborieux. Hein. C'est laborieux. Mais c'est vrai que jouer Arkham Knight et après vous jouez Arkham City, vous allez voir que le Batman il rame du cul. Il est pas du tout aussi svelte, aussi rapide. Ça craint. Surtout au niveau de l'ampleur. Enfin, de la. Allez, ferme ta gueule, Austral, et concentre-toi sur l'objectif parce que tu me casses les couilles avec tes conneries. C'est ça que vous êtes en train de me dire là. Voilà, c'est ça que vous voulez. Voilà. Bon allez, vas-y, je vais faire une mission là quand même. Parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on est lancé. Je vais pas faire un épisode de 1 heure parce qu'il y a ma nana qui va rentrer dans 3 quarts d'heure. Et si j'ai pas fait à bouffer, je vais me faire engueuler. Ah, c'est comme ça les gonzesses. En même temps, bon, moi ça fait 1 heure et demie que je branle rien. Donc elle sort du boulot. Donc si elle arrive qu'il n'y a rien dans la camée, ça craint. Tu vois. Ouais, bah rigolez pas, vous verrez quand vous aurez une gonzesse. Parce qu'après, sinon ce soir, c'est position du dos tourné. Donc ça craint. Tiens, attendez, je leur casse un peu la gueule là. Tiens, position du dos tourné lui aussi. Ah non, il était de face.
Et là j'y suis allé comme une brute parce que j'ai même pas regardé s'ils avaient des armes à feu les mecs. Bon logiquement au début du feu ils en ont pas trop. Au début du jeu pardon ils en ont pas trop. Bah d'accord. Ouais, concernant Clark Kent, c'est vrai que j'aurais bien aimé que Rocksteady nous fasse un petit jeu Superman, quoi. De la qualité de leur jeu Batman, mais t'imagines même pas, quoi. Les gens l'achèteraient, hein. Les gens verraient Rocksteady, les gens l'achèteraient, hein. Parce que c'est fun de jouer Superman dans un putain de jeu, quoi. Il y avait un jeu, il y avait Superman Returns qui était sorti en 2005 ou 2006, hein, quasiment en même temps que... Peut-être un an après le film, peut-être, donc ça devait être 2006. La console venait de sortir, ça a été un des premiers jeux, moi c'est le premier jeu que j'ai acheté sur 360. Quand j'ai acheté ma 360 en 2007, je me suis fait claquer sans plus attendre le Superman Returns, donc tiré du film. Parce que c'était du monde ouvert, t'avais Metropolis et... ah oui c'est vrai que t'as les téléphones de Zaz à décrocher. Je ne trouve pas trop, je vais casser la caméra qui est là. On a perdu une caméra dans le secteur 4. Il est là. Il y a un téléphone ici. Salut Batman. Est-ce que tu reconnais ma voix? Victor Zsasz. Tout en os et en chair. Je suis ravi que tu te souviennes de moi. Moi je ne pourrai jamais t'oublier. J'ai préparé un petit jeu, Batman. Oui, un petit jeu rien que pour toi. Dring, 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 dring. Ouais donc lui il va me rappeler puis il va falloir que j'aille... C'est des courses contre la montre en fait, c'est le genre de truc qui me stresse. Moi, c'est facile mais ça me stresse. Toujours. Donc Zsasz, hein, vous connaissez déjà, puisqu'il était présent dans Asylum. Et il est présent dans le film de Nolan, on le voit un court instant mais on le voit quand même et ça fait plaisir. Peur de m'affronter. Ouais tiens regarde. Ouh. Où est-ce qu'on voit les missions Quelqu'un a aperçu Bane dans le coin. Où est-ce qu'on voit les missions missions secondaires? Ah voilà, c'est ici. Ouais. Alors quand tu regardes comme ça, tu te dis qu'il y en a pas mal. Il y en a 12. En fait c'est un attrape-couillon parce que t'as des missions secondaires, elles sont one shot, c'est à dire que t'as qu'une mission. Tu fais un truc et putain, hop c'est 100%. Vous voyez là je suis déjà à 70% du ERA. Putain il y en a quasiment pas alors. Bane, plus je vais en détruire de ses réserves de titans, plus je vais augmenter en pourcentage. Je crois que tu en as 10, donc 10% pour un container. Mais ta démission, c'est one shot, hein, tu fais 100% d'un coup. Donc en fait, c'est un attrape-couillon, faut pas s'y au bordel. Bon, allez, hop, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la série de Sionis, qui se trouve là-bas. C'est la grande cheminée qui est là-bas. Savoir qu'il y a eu un... Ah, attendez, parce qu'il y a encore un téléphone qui sonne, il est juste là. Il est de l'autre côté du mur, je suis content. Du coup, je me fais baiser la gueule. Allez, c'est parti. Oh, Batman, tu sembles impatient. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Ça te sera utile pour jouer à mon petit jeu. Tu as dû apprendre que j'étais occupé à sauver la vie des pauvres R qui peuvent s'estimer suffisamment chanceux d'avoir répondu à mes appels. Tu parles d'un sauvetage. Tu les as tous tués. Tout cela n'est qu'une question de point de vue. Par exemple, de l'endroit où je me trouve, je peux voir trois petits cochons qui n'attendent que moi pour les sauver de leur misérable existence. De leur point de vue, j'imagine qu'ils doivent voir les choses tout à fait différemment. Si tu leur fais du mal, Zsasz, je te le ferai payer. Oh, je n'en doute pas. Mais jouons un peu d'abord, si tu le veux bien. En ce moment, quelque part dans Arkham City, un téléphone est en train de sonner. Oh, je sais, la ville est vaste, mais tu dois le trouver. Si tu tardes trop, je tuerai ces gorées. Et surtout, n'essaie pas de jouer au plus malin. Ouais, donc ça, ça me casse les couilles parce que c'est à 15 000 km. Il faut que je me retourne. Et Bloodhaven. Tu ne me trouveras jamais.
Et que je remonte en direction du GCPD. Ok. Et active-toi. Ça doit être d'ailleurs sur le parking du GCPD. Bon, logiquement, vous avez le temps de le faire. C'est comme les courses contre la montre sur Spider-Man 2. Hein, généralement, c'est quand même large en termes de timing. Faut juste pas faire de la merde dès le départ. Et j'ai mis 42. Alors, c'est normalement, c'est de ce côté là-bas. Voilà, il y a le petit bat symbole là. Bat signal. Je me rappelle pas en avoir chié sur l'émission de Zaz. Là où j'en ai chié, c'est sur Batman Arkham Origins, ce que vous ne verrez pas puisqu'il ne fait pas partie de ces séries master, hein, vu que c'était pas un jeu Rocksteady. Sur Batman Arkham Origins, j'en avais chié sur les missions d'anarchie. Il y avait des missions un peu dans le même style. Il fallait se dépêcher d'aller à un endroit et il y en avait une d'anarchie qui m'avait demandé 3 ou 4 essais. Elle m'avait fait un peu rager, si vous voulez tout savoir. Est-ce que je t'ai déjà parlé de mon problème? Ah, donc là, faut que je suive le truc. Non, comme tu le sais déjà sûrement, j'ai hérité d'une fortune colossale à la mort de mes parents. Une fortune telle que je pouvais avoir tout ce que je désirais. Mais tout ce Vous voyez le chargement qui se fait en bas dans la barre. C'était qu'ils reviennent. Plus je reste sur l'objectif, le marqueur, plus le chargement avance. Leur mort devait avoir un sens plus profond. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore le plaisir d'une lame froide tranchant la chair chaude. J'ignorais que je pouvais sauver tous ces gens de la misère permanente, de leur vaine existence. Tu aurais dû rester comme ça. C'est vrai. Alors j'arrête là. Trouve un autre téléphone, Batman. Au revoir. Ah, c'est scripté en fait. C'est scripté parce que oui, j'avais atteint le maximum des petites barres vertes en bas dans le chargement. Pour ce coup de fil là, je pouvais pas aller plus loin. Même si tu fais un truc perfect, c'est scripté, t'es obligé de t'arrêter un moment dans le chargement. Donc t'es obligé de te taper minimum, je sais pas, on va dire 5-6 coups de fil quoi. Bon, toujours est-il que lui il est plié, il y a des mecs qui arrivent. Mais j'ai pas le temps à perdre avec eux pour le moment, parce que j'ai décidé de faire une petite mission avant de plier les goals, comme on dit. Il me reste une bonne demi-heure de jeu. C'est la première fois que tu joues à City, tu kiffes le faire, tu vois, mais quand t'as joué à Arkham Knight, ça sert plus à rien de le faire. En fait, Arkham, je dis pas que Knight est mieux que City, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit les mecs, hein. City est pour moi mieux qu'Arkham Knight, parce qu'il est sorti avant et parce que c'est lui qui a tout inventé, quoi, clairement. Donc pour moi, City est meilleur que Knight, c'est clair et net, même au niveau du scénar et tout. Knight, c'est juste un Arkham City en boosté, mieux au niveau du gameplay, hein, il y a des choses qui ont été grandement améliorées, la taille de la ville est plus grande, etc. etc. Il y a des choses qui sont meilleures dans... Ah, je m'en pose parce que Harley Quinn, quand elle parle, elle casse les oreilles. Il y a des choses qui sont mieux dans Arkham Knight que dans City, mais City, c'était la genèse. Hein. Il a tout inventé, il a tout imposé. Bon, il y avait Asylum avant, mais en termes d'open world, c'est City qui a tout inventé sur les Batman. Donc pour moi, City reste le meilleur. Le truc, c'est que... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, quand tu as joué à Arkham Knight, tu repasses sur City, par contre... C'est comme si tu avais conduit une Porsche et que tu repassais sur une 206. Donc ça, voilà. Mais bon, la 206 c'était là avant la Porsche. Tu sais ce que je veux dire? Enfin, c'est. Comment dire? Ouais, tu m'as compris quelque part. Ferme ta gueule, Austral, et continue à jouer. Tu nous emmerdes et tu parles de bagnole. On veut voir du Batman. Je sais que vous voulez voir du Batman, mais déjà pour voir du Batman, faut que je m'améliore. Faut que je m'améliore. Je voudrais mettre. Putain, j'ai déjà toutes les améliorations. Prédateur, c'est craqué. Je peux améliorer Catwoman quand je suis avec Batman. J'aime bien ça, l'onde des chocs. C'est juste pas réaliste du tout pour Batman. Quand tu t'appelles Kal-El, je veux bien, mais Batman... Oh, il faut que je monte. Là. Je regarde s'il y a des caméras de sécurité, des bordels, des ballons, ce genre de choses. Qu'en ferait Batman? Est-ce que j'ai la tronche de Batman? Non, mais lui, il pourrait entrer. Comment il se débrouillerait? Il se servirait de son grappin. Il pourrait passer par la tour principale. Je pourrais surtout passer par la chaudière. Non. Bon, réfléchissons. Le seul moyen d'entrer, c'est par un tunnel de refroidissement.
Oh putain. Est-ce qu'on parle du tunnel plein d'eau bouillante et de gaz toxique? On pourrait construire un bateau. Du coup, est-ce que là je peux passer? Ouais, faut que je passe par là, la cheminée. Oui, avant le coup de fil de Zaz, j'étais en train de vous dire un truc. C'est bugué. Le Joker parle trop, il me saoule. Ok, donc j'ai un magnifique bug que je n'ai jamais eu sur Arkham City. Et là, je peux rien faire de plus. Voyons un peu, si tous les autres passages ah non, c'est sont bon. Bloqués, le seul moyen d'entrer est de... Non, c'est du suicide. La cheminée principale. Moi, ouais, c'était bugué quand même. C'était quand même grave bugué, cette histoire. Ça, c'est un bug que j'ai jamais eu sur Arkham City. Sur 360. Donc avant le coup de fil de Zaz, j'étais en train de vous dire, et là c'est la classe, j'avais ça m'avait bluffé la première fois que j'avais joué au jeu. J'avais tellement surkiffé ce passage, regardez-moi ça. Le bat symbole dans les dans le bat logo mais dans les flammes, tu sais, la chauderie, la chauderie, de la chaudière, de la fonderie, qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc je confirme ce que je disais dans le premier épisode, le jeu était plus fluide sur 360. Virtuos Studio a pas fait du travail exceptionnel, je le dis. Les Virtuos Studio, donc ceux qui sont à l'origine de ce remaster, ont pas fait un travail exceptionnel à partir du moment où le jeu était plus propre sur 360. Peut-être pas plus beau visuellement, mais en tout cas là le problème c'est que le jeu est trop beau, donc du coup ça fait ramer le bordel quoi, le moteur du jeu rame, je trouve. Je sais pas, je le trouve beaucoup moins fluide, beaucoup moins propre quoi. Après c'est peut-être une... Faut, comme je vous dis à chaque fois, faut que je rejoue au jeu de base pour voir si vraiment ce que je dis c'est valide. Peut-être que le jeu est comme ça à la base et que c'est juste moi qui en ai gardé un souvenir qui est plus forcément d'actualité, mais dans moi, dans mes souvenirs, le jeu était plus fluide, ça ramait pas, ça laguait pas. La chaudière va me faire bouillir vivant. Il faut que j'arrive à refroidir les braises. Ouais, il faut que j'arrive, je crois qu'il y a un truc avec la patte grise en fait, voilà, c'est ça. Oui, donc avant le coup de fil de Zaz, putain, je vais y arriver finalement, quelque part, à dire ce que j'ai à dire. Avant le coup de fil de Zaz, j'étais en train de dire qu'il y avait un comic. Pré, et non pas post, pré Arkham City. Donc une histoire, une bande dessinée qui se déroule avant, entre Arkham Asylum et Arkham City. Donc en très gros, si vous voulez jouer au jeu, si vous êtes un grand fan absolu du jeu, il vous faut vous procurer cette bande dessinée qui s'appelle Batman Arkham City. Que vous trouverez dans les Cultura, les Fnac, je pense, ce genre de choses. Bon, en ce moment, elle ne doit plus trop se vendre dans les Fnac, dans les points de vente habituels, normaux, classiques, on va dire, puisque le jeu date de 2011, pardon. Donc du coup, je pense que la BD, elle ne doit plus être trop d'actualité. C'est une BD qui est éditée par Urban, par DC Comics, mais en France, par Urban Comics, hein, ceux qui font un excellent travail dont je vous ai parlé sur le premier épisode. Donc on est toujours dans cette collection irréprochable d'Urban Comics, et je les remercie. Urban Comics qui est une filiale de Dargo, comme je vous le disais. Et donc, vous avez Arkham City, et donc là, ce que j'ai vu à la Fnac dernièrement, c'était Arkham Knight. Donc il y a une BD Arkham Knight, dont l'intrigue doit se dérouler entre Arkham City et Arkham Knight, justement. Donc je vais me la procurer aussi, je pense. Mais vraiment, si vous êtes un fan absolu de Batman et que vous n'avez pas cette BD Arkham City, je vous invite à la lire parce qu'elle est très bonne, le dessin est magnifique. Ah, faut que je passe par là. Le dessin est magnifique, puis ça vous permet d'apprendre ce qui se passe entre Asylum et City. Hein. On y voit notamment le Joker, bah, sa façon de devenir... son déménagement jusque dans cette fonderie, je sais pas ce que c'est, une scierie, une fonderie. Ah, je crois que c'était des ballons là-bas, mais non, c'est pas ça. Et tu vois le Joker, tu vois pourquoi le Joker décide de... Vers une rambarde pour s'y percher. Voilà. Décide de venir se réfugier dans ce tas de merde. Voilà. Et après, c'est, ça va où ça va là-bas. J'aime bien l'effet de chaleur là, ça rend bien. Tu sais, l'effet de chaleur un peu trouble là, ça rend super bien. Alors c'est une BD qui doit valoir, je pense, une vingtaine d'euros. Parce qu'elle est pas très très grosse, elle est pas aussi épaisse qu'un pavé comme Amère Victoire ou... Ah oui, ok. Je pense que ça c'est un didacticiel ça. Ouais, ou le long Halloween. Le Joker fait croire qu'il est malade. Et donc puis, elle doit bam, coûter entre 15 et 20 euros, je pense. C'est pas un mec.
T'as l'air. Je vous ai promis des distractions, pas vrai, les gars? J'ai fait de mon mieux. Eh ben, c'était pas encore assez. Ce médecin bidon a trahi Monsieur J. Et vous savez très bien ce que ça veut dire. Je crois que vous faire mieux que ça. Entrez donc, Monsieur Barton. Je crois qu'ici il y a un truc à déverrouiller. Il y a un chemin optionnel à prendre pour un trophée de l'homme mystère. Tu peux trouver où c'est. Ouais, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de la qualité de ce jeu. Oui, les textures sont belles. Les textures sont belles, mais. C'est pas fluide, c'est pas. Un peu déçu parce que c'est un jeu que j'ai quand même repayé plein pot. Hein. Non, 40 euros. 40 euros, mais c'est un jeu que j'avais déjà. Hein. Moi, je pense que pour les possesseurs, les mecs qui ont déjà une sauvegarde, en plus, quand tu passes de 360 à Xbox One, tu changes pas de compte, tu gardes ton compte. Bon, mon compte, c'est Austral 21, et ça a toujours été Austral 21. Ils savent très bien, les mecs, que j'avais déjà le jeu, que j'avais déjà les deux jeux. Donc, pour les possesseurs du jeu, pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait une grosse réduction, quoi? Ils t'en font payer 10 euros parce qu'il y a quand même un travail de fait. Donc, tout travail mérite salaire, tu payes 10 euros, puis voilà, c'est largement suffisant. Mais alors, payer 40 euros pour un jeu que t'as déjà et qui est pas forcément. Il est plus beau visuellement, mais techniquement, il est moins bon. Parce que, putain, je suis désolé. Il y a pas. C'est pas aussi fluide, quoi. Je me répète, mais merde, ça fait chier, quoi, de payer 40 euros pour ça. Quand il y a des choses qui vont bien, faut le dire. Quand il y a des choses qui vont pas, faut le dire aussi. Sûrement. Et moi qui pensais qu'il était. Là, il faut le coup de glace, le coup de givre. Que j'aurai plus tard avec l'arme de Mr. Freeze. Et c'est à peu près tout. Et là, il y a quoi ici? Il s'est transformé en véritable monstre. Il était vraiment. Le coup de givre aussi. J'ai bien cru qu'il allait déchiqueter des hélicoptères en vol. Là, vous voyez, c'est un peu le même système que Asylum pour faire du backtracking quand vous avez tous les objets. La vapeur bloque la sortie. Si je suis le tuyau dans l'autre sens, je trouverai peut-être un moyen de l'arrêter. Ah bah non, là j'ai pas besoin du coup de givre apparemment. Non, là j'ai pas besoin du coup de givre. Il va bien, il fait juste ça pour emmerder Batman. C'est valide. Ça va être facile. La vapeur bloque la sortie. C'est pas valide. Si je suis le tuyau dans parce que j'ai activé les trois trucs alors qu'il y en a qu'un en fait. Ça va où? Écoutez les gars, vous ferez mieux de faire ce qu'elle dit. Ah, fallait le lancer trois en même temps, ok, d'accord. Ok, je suis rouillé le temps que je me remette. Comme je vous disais, j'ai joué à Arkham Knight dernièrement, il y a quoi, il y a deux mois à peu près de ça. J'ai fait Asylum il y a un mois de ça. Parce que vous avez eu la vidéo Asylum, dernier épisode, vous l'avez eu il y a 2-3 jours la vidéo sur la chaîne. Mais moi, faut savoir que ça fait plus d'un mois que j'ai fini le jeu. J'ai joué beaucoup à Skyrim, donc je suis un peu rouillé sur Batman. Ceux qui franchissent cette porte, s'ils sont pas accompagnés d'un bonhomme de neige. De toute façon, je suis censé leur casser la gueule. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère et encore moins de suspense. Regardez, qui n'a pas été embrouillé par le piège de Monsieur J. Surtout ne. On va te démolir, Ce qui aurait été bien dans le jeu, c'est non pas seulement les skins. J'aurais préféré, au lieu de mettre les skins des Batman de Frank Miller, c'est de mettre les musiques des OAV de Frank Miller. Moi, tu mets l'OST de Dark Knight Returns, je suis preneur hein, sur ce jeu. Quelque chose que je pouvais faire sur 360, parce que sur 360, tu pouvais mettre tes musiques et jouer avec tes musiques. Mettre tes musiques sur le disque dur de la console et jouer au jeu avec tes musiques, ce que je faisais souvent d'ailleurs dans mes vieux let's play hein, sur la chaîne. Mais sur One, tu peux pas. Tu étais censé être mort. Tout fout le camp, mes chers amis, tout fout le camp. Eh bien, t'as aucun moyen d'atteindre Monsieur. Même mon chien, il fout le camp. Lasco. Non, je déconne. C'est le chien qui se fait la malle. Rester en bas et brûler. Oh mon toutou d'amour, je l'ai pas vu beaucoup aujourd'hui vu que j'ai travaillé toute la journée. Ah oui. Bah oui, mon bébé d'amour. Oh mon toutou. Oh bah oui. Alfred, le Joker est terré dans le bureau du responsable de la scierie. Mais impossible pour moi de l'atteindre. Je suis certain que vous trouverez un moyen, monsieur. Bien évidemment. Des types ont traîné un médecin dehors.
Je vais la retrouver. Ensuite, je m'occupe du Joker. Là, il me faudra la l'arme électrique. Tidalala. Ah putain. Donc là, j'aime pas du tout ce niveau. Enfin, quand je dis niveau, c'est la zone. Je parle de la zone. Je l'aime pas cette zone dans la série parce que je me rappelle que tu reviens 2-3 fois, même plus dans l'aventure. À la longue, c'est relou. Parce que là, on y est une première fois. Après, on va me demander d'y retourner à la fin du jeu. Une deuxième fois. Et puis, quand on va me demander d'y retourner une deuxième fois, bah, j'aurai pas tous les gadgets. Donc, il faudra qu'il retourne une troisième fois pour. Une troisième fois pour tout débloquer. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime pas cette série, parce que j'ai tendance à tourner en rond là-dedans, mais c'est un truc de ouf. Puis les environnements, alors par contre c'est un peu un défaut de Arkham City, malgré ses innombrables qualités, il a quand même des défauts. Ah oui, non, c'est pareil, ça, vous voyez, ça se détruit avec le truc électrique. Il surveille bien la porte. Je dois trouver un autre chemin pour contourner la bande du Joker. Oui, j'ai fait le coup. Quoi ton problème ? T'as l'intention de flinguer un éléphant ? J'ai fait le con parce que j'ai voulu. Il est là. Il va nous j'ai voulu faire ça en héros, mais. Non, tu l'as touché, c'est obligé. Je suis pas double batarang là. Je te couvre. Tu rêves, mon vieux. Vas-y, toi, je te couvre. C'est moi qui l'ai touché, à toi d'y aller. Bon, écoute, et si on restait là tous les deux ? Et on couvre ensemble ? Est-ce qu'il va me voir si je fais une élimination ? Ils sont une 3 de toute manière. Ouais, pas très compliqué cette histoire. Voilà. Et normalement, c'était les derniers. Je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, un défaut de Arkham City, c'est les environnements traversés. Je les trouve pas fantastiques. Vous voyez, c'est souvent des environnements industriels comme ça. Non, mais c'est bon, je l'ai fait plonger par la fenêtre au bout d'un moment. C'est bon, t'es content. C'est souvent des environnements comme ça, un peu industriels, des entrepôts. C'est quoi cette couleur verte sur ma cape? Ah, ça venait de là, ok. Je me dis putain, mais le costume est vert. Mais en fait, non, c'est en dessous. Bah d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a un trophée, Oz. T'es con ou quoi? Putain, le temps de réaction du mec, quoi. Ça veut dire qu'il y a un trophée de la mystère. Si c'est d'ailleurs, faut que je le note sur ma map parce que celui-là, il va me faire chier sinon. Ça, c'est pratique, ça. Très pratique. Et là-bas, c'est quoi le truc? Ouais, c'est toujours des environnements un peu à la con, comme ça, des usines, des entrepôts, des bordels. À part le truc du Cobblepot, Bad Griff, s'il te plaît, merci. À part l'Iceberg Lounge, hein, le bar du pingouin, qui est franchement sympathique, c'est un des plus beaux endroits du jeu, je pense, à visiter. En tout cas, moi, j'ai grandement apprécié. C'est tout ce qu'il y a ici. Pas un petit trophée pour ma gueule. Là, c'est pour Catwoman, là-haut. Puis là, c'est pour le truc électrique, donc je peux pas y aller. Okay. Du coup, j'ai un petit trou de mémoire. Faut que je passe tout droit en fait. Cette porte là. Dans Arkham Origins, fuck. Double élimination ou pas double élimination? La double. La double qui fait zizir. Ouais, dans Arkham Origins, les environnements traversés, là, les lieux secondaires, en plus de la map, mais ils étaient juste magiques. Putain, vite, vite, je vais me faire une inversée. Et j'ai mon inversé. Ils étaient juste magiques, quoi. Le putain d'hôtel que tu traverses dans Arkham Origins, c'est un truc de malade. Et puis, il y avait aussi le GCPD. Les bureaux du GCPD, ils étaient immenses. Et il fallait pas te faire repérer par les flics. Donc t'as les flics qui s'entraînaient et tout dans le merdier, quoi. Tu voyais Gordon avec sa fille adoptive, Barbara Gordon, qui est en réalité la fille de son frère ou de sa soeur, je me rappelle plus. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est sa nièce en réalité à Jim. Approche pas, Batman! Elle va mourir! Putain, j'aime bien quand ça fait ça. Ça sort pas là. Ah,
Ouais, les environnements traversés dans Origin, c'était du bonheur. Mais clairement, c'était le gros point fort du jeu. Et puis il y avait ça, puis il y avait le nouveau système d'enquête qui était du bonheur également dans Origins. Donc il y a beaucoup de gens qui ont chié sur Arkham Origins, comme quoi Warner Bros. Montréal ne s'était pas du tout foulé. Ils s'étaient contentés de reprendre tout ce qu'avait déjà implanté City. Certes, ils ont repris beaucoup de choses qu'avait implanté City. Enfin, qu'avait été instauré par Arkham City et Rocksteady. Mais il y a eu quand même pas mal d'ajouts et moi j'ai grandement apprécié Arkham Origins. Puis l'ambiance de Noël aussi qui était vraiment très bonne. Il y a également un environnement à traverser qui était juste jouissif, c'était l'espèce de grand paquebot du pingouin. C'était un bonheur, sans nom à traverser. Puis ça permettait de combattre des petits ennemis de seconde zone que tu vois jamais dans les BD ou genre Anarchy justement. Cette cinglée croit que je peux guérir le Joker. Quel est son problème? Son sang est contaminé par une sorte de toxine. Elle va le tuer. Il dit que c'est à cause du Titan. Titan? Oui, vous savez de quoi il veut parler? Il disait sans arrêt qu'on verrait qui rirait le dernier. Doc! Je croyais que ces informations étaient censées rester confidentielles. Qu'est-ce qui se passe? Comment entend-elle ce qu'on dit? Vous allez me verrouiller cette porte à double tour, les gars. On ne voudrait pas laisser s'échapper la vermine, pas vrai? Mais ils n'entreront pas. On est à l'abri, non? Ah, c'est là que je chope mon arme électrique. Pas mal ça. En plus, avec LT et B, je crois, tu peux t'en servir en combat. Pour électrifier les gugus qui t'attaquent, c'est impeccable. Restez là. C'est craqué, mais c'est impeccable. Vous êtes à l'abri. Tellement craqué. Si vous entendez quelqu'un venir, cachez-vous. Je reviens. Et où est-ce qu'il le planque son fusil électrique? Dans la bas de ceinture. Tu te demandes comment il fait pour ranger tout ça dans la bas de ceinture. Allez, hop, tu l'as vu le ranger dans la bas de ceinture? Ni vu ni connu dans le bas de ceinture. Mais alors dans quelle poche? Parce que franchement là c'est... Bon, en même temps ça me... Je dis ça, je chante bien évidemment. Batman n'est pas réaliste pour un sou. C'est un personnage du comics. Moi ça me dérange pas trop. C'est comme les gens qui disent oui, Superman c'est débile. Je devrais retourner à l'aire de chargement. C'est le seul moyen d'atteindre le Joker. Ah regardez, il y a un truc là, il y a un trophée de Enigma. Oui, Superman c'est débile parce que le mec, quand il enlève ses lunettes, le simple fait d'enlever ses lunettes, etc., les gens ne le reconnaissent pas. De Clark Kent à Superman, la seule chose qui le cache en très gros, c'est ses lunettes. Les gens le reconnaissent pas, c'est n'importe quoi, le mec devrait triper à 15 km à la ronde, etc. C'est débile. Bah les mecs, c'est Superman. Le mec, il lance des rayons laser avec ses yeux. Le mec, il résiste à tous les types de balles, tous les types de munitions. Le mec, il vole, il a la super vitesse, il a le super souffle, il a la vision à rayon X, il a donc la vision thermique, vision loop aussi, je sais pas comment on appelle ça. C'est Superman et les mecs comment dire ça, les mecs se scandalisent, vous voyez là c'est pareil, il y a un truc là. Tu te fous de ma gueule. Je devrais retourner à l'aire de chargement. C'est le seul moyen d'atteindre le Joker. Les mecs se scandalisent du fait que c'est pas réaliste parce que Lois Lane aurait dû de repérer à 15 km que Clark Kent c'était Superman et vice-versa. Mais Superman n'est pas réaliste à la base. Superman n'est pas réaliste à la base. Et c'est justement une espèce de... Ouais, ils sont en train de bloquer la porte. Okay. C'est justement une espèce de contrat en fait qu'a instauré DC Comics entre le lecteur et leurs auteurs. C'est justement ça le contrat. C'est si t'acceptes le fait que Clark Kent ne soit pas repéré avec cette histoire de lunettes et etc etc. Si t'acceptes ça, t'acceptes tout le reste. Donc tu peux lire un comics. Tu peux lire un comic Superman. C'est un contrat en fait qui est passé entre les. Ah bah tiens, regardez, c'est là. Impeccable. Parce que je me concentre beaucoup, je dis beaucoup de merde, donc du coup forcément ça se ressent sur le gameplay. D'ailleurs faut que je la monte, voilà. Dépêche-toi parce que ça dure pas éternellement ça. Voilà. Hop. Hop, et là je passe. Normalement ils vont être juste de l'autre côté. Tu pourras les prendre à revers les tocards. C'est le plan.
C'est pas un plan, c'est du suicide. J'ai pas peur de lui. La porte est soudée, et ce type, c'est qu'un rigolo en collant. Regardez, Batman. Moi, ça m'a jamais perturbé le fait que personne ne découvre le secret de Clark Kent. J'aurais pas dû faire ça. Ça m'a jamais paru louche. Puis surtout quand c'est bien joué, je veux dire, regardez le premier Superman de Richard Donner, celui qui date de 79, peut-être même avant, 76, pas vrai. Oui, tac, parce qu'apparemment ils veulent que je le fasse pour le tuto. Regardez le premier Superman et vous verrez le magnifique jeu d'acteur de Christopher Reeve quand il joue Clark Kent. Et bah, le mec il a des putains de hublots là, c'est même plus des lunettes, c'est des hublots, le truc qui sont 4 cm d'épaisseur, tu sais. Les cheveux un peu en pagaille et le dos, il est grand. Tu vois qu'il est grand et musclé, mais il a le dos voûté. Il parle comme un demeuré, il est super timide. Du coup, tu peux pas te dire que ce mec là c'est Superman. Parce que Superman, c'est tout l'inverse. Des cheveux en arrière, beau gosse, le mec qui a confiance en lui, qui parle. C'est salut Loïs. Tu vois. Tu peux pas te dire que le Clark Kent de Christopher Reeve, c'est Superman. C'est pas possible. Déjà d'une, parce que Superman, c'est un surhomme, c'est un extraterrestre, etc., etc. Donc il peut pas vivre au milieu des pauvres mortels que nous sommes. C'est pas possible. Il peut pas, le mec, c'est pas, il peut pas être boulanger, il peut pas être journaliste, il peut pas payer ses impôts. C'est pas possible. C'est déjà d'une, et de deux, encore moins être Clark Kent. Si Superman devait vivre parmi nous, il aurait quand même le même physique. Alors on va me dire il a le même physique, c'est juste qu'il a des lunettes en plus. Non, il a pas le même physique. Regarde le Superman de Christopher Reeves et le Superman, enfin le Clark Kent de Christopher Reeves et son alter ego Superman, c'est pas si évident que ça, voilà, c'est pas si évident que ça. Mais c'est pas grave, hein, si je récupère pas les trophées, vous inquiétez pas, de toute façon, il faudra que j'y revienne 15 fois dans ce putain de série. Et après, c'est là-bas. Ouais, la porte qui est là-bas. Le protocole, de toute façon, je vais m'arrêter de jouer là. Parce que... 9h. Donc ça, c'est scripté. Hein. C'est-à-dire que si je reste ici, dans cette pièce, pendant 9h, à rien foutre, à compter les moutons, le protocole 10 ne se déclenchera pas pour autant. Voilà, c'est scripté, c'est en fonction de votre avancée dans le scénario. D'ailleurs, la première fois que j'avais joué au jeu, ça me faisait flipper parce que j'étais en train de me dire, ça se trouve... Tu peux pas te balader tranquillement, t'es obligé de te dépêcher à faire le script. Donc ça ferait chier. Mais c'est pas le cas, heureusement, parce que sinon ça aurait été le truc. Il y aurait rien eu de tel pour flinguer leur propre jeu. Là, Rocksteady, s'ils avaient fait ça, un contre-la-montre durant tout le jeu, il y aurait rien eu de tel pour te flinguer le plaisir, quoi. Ok, donc là il faut que je monte maintenant. Il faut que je monte là-haut. Avec mon truc électrique, je vais pouvoir activer ce merdier et faire la balancelle. Faire un peu la balance, vous voyez. Donc je balance le truc, un coup RB, un coup RT. Et là c'est bon. Ah non, encore un peu. Bon, au prochain point de sauvegarde. Ah ouais, c'est bon. Ta gueule, Harley. Fils de pute. Fils de schlag. Bon, bah, je leur botte le cul puis j'arrête de jouer. Parce que, je te présente Monsieur Marteau. Il va t'apprendre les bonnes manières. Ah putain, j'ai mal au dos. Ah, est-ce que je reste cambrie depuis tout à l'heure là? Tendance à rester cambrie en fait. Quand je joue à la console, j'ai tendance à. Ah putain, j'avais oublié que ce connard avait un marteau. Et le frangin il a la faucille, hein, c'est un petit clin d'œil. J'avais oublié que. Enfin, quand je joue aux jeux vidéo. J'ai pas le dos dans le... Comment on appelle ça? Putain, je trouve pas mes mots ce soir, ça me fait chier. J'ai pas le dos bien calé dans le dossier, tu sais. Bien au fond du canapé. Je suis un peu cambré, donc du coup, au bout de 3 quarts d'heure, bah, ça me rappelle... Je sais plus comment on fait pour le... Non mais... Putain, mais vas-y, mais je fais de la merde. En fait, faut le laisser taper ses sbires. Faire ça. Ah ouais, mais j'aurais dû me barrer aussi, je suis un abruti. Moi je fais de la merde, je fais n'importe quoi. Pareil dans Arkham Knight, en fait les gros comme ça faut leur tu leur pètes un coup de cap et après tu peux les assommer. Mais là c'est pas le cas du tout en fait. Je sais plus comment on fait pour les sécher les gros. Ma mère est morte, fils de pute. Alors par contre, comment je fais là pour les sécher? C'est que c'est rapide, hein. On dirait pas comme ça. N'arrivera
Je crois qu'il faut, je me contente de le déglinguer. Ouais, c'est ça, il y a pas de coup de la, il y a pas le coup de la cape à faire là comme sur Arkham Knight. Voilà la petite cinématique. Bonjour mon chien. Écarte-toi de mon chemin, Queen. Laisse-nous tranquille, Batman. Je veux être seule avec lui, laisse-moi. J'ai dit du vent. Non. Tout ça, c'est ta faute. Tu l'as harcelé pendant des années. Tu l'as passé à tabac. Et pourquoi? Pourquoi si méchant? Surprise. C'eût été trop simple. Tu es tombé dans le bon vieux traquenard du Joker. D'ailleurs, ça c'est un peu débile quoi. Bah, c'est débile du sens où Batman il a une vision thermique, il aurait pu voir à 15 km qui était dans la pièce.